Quelle joie ce matin, dans ce culte de fin d'année, de nous retrouver ensemble pour adorer le Seigneur. Persuadé que Dieu, dans son immense bonté, a une grande réserve de bénédictions pour nous en cette période de fin d'année et aussi pour l'année à venir. Nous sommes venus, bien sûr, pour l'adorer, pour le louer. Et nous allons commencer, bien sûr, par les chants. Je laisse au groupe de se présenter. On va adorer déjà par ce moyen avant de partager la bonne parole de Dieu. Merci. Bonjour à chacun, heureux de nous retrouver ce matin pour ce culte d'adoration. Dieu est vivant et nous désirons qu'il se révèle à nos cœurs ce matin. Et ce cantique nous invite à désirer la présence de Jésus, le roi des cieux. Demandons-lui de descendre parmi nous par son esprit. Thank you.
ta gloire brille comme en plein midi, roi des cieux descend. Parce que Dieu aime se trouver au milieu des louanges de son peuple, et surtout parce qu'il nous aime d'un amour tellement extraordinaire, d'un amour tellement unique, tellement puissant, qu'il peut répondre à nos besoins. Besoin de délivrance, besoin de restauration, besoin de guérison. Eh bien Seigneur, en toi, la liste est sûrement longue, mais la réponse est en toi, et en toi seul. Merci pour ton amour, Père. En toi les faibles sont humbles.
pourquoi ce matin, nous voulons chanter son nom. Car pour nous, Dieu est notre essentiel. Essentiel, c'est ce qui est le plus important. Essentiel, c'est ce qui est absolument nécessaire. Et c'est ce qu'il est pour nous encore ce matin, amen, comme chaque jour. Il est notre essentiel. Que son nom soit béni. Amen. Parce que ce nom, il est grand, il est saint, il est digne de louange. Seigneur de l'univers,
rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, me trouver un temps volontaire, me tenir prosterné en chantant tes louanges. Vers toi toute la reconnaissance de mon cœur, Seigneur, et te dire merci. Merci parce que tu es là, présent au milieu de nous. Merci parce que tu visites chacun des lieux où tes enfants sont là pour te regarder, pour prier avec toi, pour te louer, Seigneur. Tu nous visites ce matin, tu nous fais du bien, renouvelle chacun d'entre nous. Merci pour tes bienfaits, pour ta bonté. Merci parce qu'un jour, bientôt, nous serons avec toi dans ton ciel de gloire, Jésus. Et nous voulons élever, glorifier et célébrer ton saint nom. Béni sois-tu, Jésus. Amen. Alléluia, Alléluia, Seigneur. Oui, c'est vrai, Seigneur Jésus, nos mots sont trop petits pour te dire notre reconnaissance, Seigneur mon Dieu, de ce que tu as fait dans nos vies, Seigneur Jésus. Merci parce que c'est vrai, tu as fait de nous tes enfants. Tu nous as rachetés au prix de ton sang qui a coulé sur la croix, Seigneur mon Dieu. Et aujourd'hui, ton peuple est réuni, Seigneur mon Dieu. C'est vrai, certes, chacun peut être dans leur maison, mais Seigneur mon Dieu, tu visites chacun par ton esprit, Seigneur. Tu es présent, tu es là. Et je te loue, Seigneur, parce que tu es glorieux. Tu es le Tout-Puissant. Amen. Alléluia.
Nous sommes ce matin ensemble pour louer, pour adorer le Seigneur, réalisant ce matin le privilège que nous avons de la bonté et de la grâce de Dieu pour la clôture de cette année. J'aimerais ce matin nous puissions ensemble ouvrir la bonne parole de Dieu. Ce matin, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Jérémie. Une promesse de Dieu pour nous en cette période de fin d'année. Je vous invite à regarder cette promesse qui peut aussi nous concerner ce matin. Nous regardons dans le prophète Jérémie, le chapitre 29, le chapitre 29 de Jérémie. Jérémie chapitre 29, le verset 11. Le verset 11 de Jérémie, il est écrit: car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ce matin, j'ai conscience de la grâce de Dieu, d'être dans sa présence, d'avoir bénéficié bien sûr de ces formidables moments de chant, préparant nos cœurs bien sûr à écouter la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Nous sommes déjà dans la présence de Dieu pour nous rappeler que le Dieu de la Bible a des projets pour nous. Le thème que je vous propose ce matin, est très simple. J'ai pensé à trois projets de Dieu pour nous. Dieu a trois projets de Dieu pour nous, pour chacun d'entre nous. J'aimerais considérer que ces projets, non seulement sont d'actualité, si le prophète Jérémie a pu les apporter sur un peuple qui était dans la dispersion, Dieu promet de réunir le peuple pour que le peuple puisse aller de l'avant. Trois projets. C'est le premier projet que j'aimerais souligner dans ces temps si troublés que nous traversons, ce sont des projets de paix. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu de paix. Dieu veut, dans son immense bonté, communiquer dans un monde troublé la paix. Amis, ce matin, Dieu voudrait inscrire sa paix dans ton cœur. Le second projet, c'est que je suis persuadé que le Dieu qui nous a créés a un plan, un avenir. Quand nous avons des projets, Dieu, dans sa grâce, a aussi des projets d'avenir pour chacun d'entre nous. Enfin, nous terminerons cette pensée en considérant, bien sûr, que Dieu a une espérance pour chacun d'entre nous. Dans ces temps dans lesquels nous traversons, nous avons besoin de nous le rappeler. Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Et c'est important. L'Évangile nous invite à connaître Dieu. David a dit à Salomon, « Connais le Dieu de ton père ». Et dans ce culte de clôture de l'année, c'est important de mettre dans nos cœurs, de mieux le connaître pour appréhender mieux les événements que nous vivons. Parce que je suis convaincu que le Dieu de la Bible, il a aussi, je suis persuadé, quelque chose à nous dire dans ce domaine. Dieu vraiment, c'est un Dieu de paix. C'est important de nous rappeler que non seulement c'est un Dieu de paix, mais il a tout programmé pour que dans notre vie, nous puissions, bien sûr, bien vivre sa paix. Le prophète Ésaïe, poussé par le Saint-Esprit, a dit, je note dans Ésaïe 9, verset 6, nous dit, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Donc Dieu donne au monde, il nous donne le prince de la paix. C'est impossible de vivre la paix si on ne connaît pas l'auteur de la paix. Parce que Dieu, dans son immense bonté, voudrait que nous soyons en paix avec lui. Déjà, l'apôtre Paul a dit à l'église de Rome, aux Romains, il a écrit, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Donc la paix est dans la personne de Jésus. Dieu
voyant la rébellion de l'humanité, a envoyé son Fils dans la personne de Jésus pour que des hommes et des femmes soient en paix avec lui. Ami, ce matin, conscient dans ta situation personnelle, tu as besoin de réaliser que Dieu t'aime et qu'il t'a donné un formidable envoyé dans la personne de Jésus pour que tu fasses la paix avec lui. Non seulement il veut que tu fasses la paix avec lui, mais il veut aussi que tu sois réconcilié. Dieu n'est pas notre ennemi. Beaucoup d'hommes et de femmes font l'erreur en pensant que Dieu c'est un père fouettard. Pas du tout. Il est vraiment rempli d'amour. Il cherche à nous rattraper. Peut-être dans les événements que tu as vécu, que tu as traversé, il y a eu comme de la révolte. Mais si tu pouvais réaliser l'amour que Dieu a accompli à la croix du calvaire, tu viendrais tout simplement pour recevoir sa paix. Déjà, Jésus a dit à ses disciples, « Je vous donne ma paix, je ne donne pas comme donne le monde. » Ah oui. Donc Dieu nous donne vraiment sa paix. Et mais c'est important de nous rappeler que la paix de Dieu a un prix. Ah oui. Un prix immense. Et ce prix a été accompli à la croix du calvaire parce que Jésus, non seulement il a donné sa vie à la croix, mais il a versé son sang. Nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Nous pouvons vraiment nous réconcilier avec le Père parce que lui, il a payé pour que nous n'ayons pas à payer en retour, nous puissions accepter. Si on vous offre un cadeau en cette période de fin d'année, on se fait des cadeaux. Eh bien, Dieu nous a donné le plus grand des cadeaux. Il y a un verset magnifique qui bouleverse mon cœur quand j'y pense. C'est le verset que nous répétons souvent, une promesse extraordinaire. Jean 3,16, il est écrit, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu nous a donné, dans la personne de Jésus, vraiment sa paix. Non seulement cette paix qu'il nous a donnée, elle est basée sur le pardon de Dieu. Dieu nous a pardonné. Amis, quelles que soient les choses que tu as faites, les choses que tu as traversées, si tu pouvais réaliser que Dieu t'a pardonné. Je me souviendrai un jour de ce témoignage bouleversant dans cette ville de Lyon, autour de Lyon, dans les Minguettes, où on a visité un monsieur qui était intéressé par l'Évangile. Et à la fin du partage, je lui ai dit, écoute, on va prier. Il m'avait raconté son histoire, bien sûr, son besoin. Il dit, on va prier. J'ai prié pour lui. J'ai vu qu'il était touché. Puis j'ai dit en retour, toi aussi, tu peux prier. Mais il dit, j'ai jamais prié. Alors, je lui ai dit, écoute, prier, c'est de parler à Dieu tout simplement avec son cœur, sans rien cacher. Alors, il me dit, est-ce que je peux tout lui dire? J'ai dit, tu peux tout lui dire. Et cet homme, il a dit, oh Dieu, je ne te connais pas. Je te donne mon cœur. Voici tout ce que j'ai vécu. Oh, c'est terrible tout ce qu'il avait vécu. Il a pris du temps. J'ai dit, maintenant, stop, il a entendu. Mais à la fin de sa prière, cet homme pleurait comme un enfant. Dieu l'avait visité. Dieu l'avait touché. Mais il est devenu vraiment, comment dirais-je, un instrument de bénédiction pour l'Église parce qu'il est venu à l'Église, il a entendu l'Évangile, il a compris que Dieu lui avait donné Jésus pour le pardon de son péché. C'est possible encore aujourd'hui. Je ne connais pas votre cas, mais ce qui est certain, c'est que si vous venez à lui au travers de Jésus, Dieu va vous recevoir. Amen. Gloire à Dieu. Dieu veut nous recevoir. La Bible nous recommande de rechercher la paix. Il ajoute la paix avec tous. Il est écrit dans Hébreux 12. Versets 14 à 15, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que ni ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs en soient infectés. » Donc, lorsque nous ne pardonnons pas, il y a dans notre cœur,
une forme d'amertume qui peut briser les relations. Et je suis persuadé que c'est important, surtout dans ces temps de la fin où les familles se retrouvent, il est important, je suis convaincu, de rechercher la paix, bien sûr, en sachant qu'en pardonnant, en fait, nous attirons la bénédiction sur nous. C'est un ordre. Puisque le Saint-Esprit dit « recherchez la paix ». C'est un ordre. En recherchant la paix, donc, pour nous, bien sûr, nous pouvons avoir la bénédiction du Seigneur. La bénédiction, c'est un cadeau. Nous n'avons pas à l'acheter. Mais elle dépend aussi de l'attitude de notre cœur. Nous avons besoin de veiller, ne pas perdre cette paix. Je donnerai l'exemple d'un couple magnifique. Joseph et Marie sont partis au temple pour adorer, bien sûr. Mais ils ont oublié dans leur marche que Jésus était avec eux. Ils l'ont perdu en cours de route. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ils se sont occupés des amis, des affaires. Ils ont discuté, peut-être ont-ils mangé. Hein. Mais pendant 3 jours, ça a été une catastrophe puisqu'ils ont vécu l'angoisse. J'ai lu ce texte, Luc 2, 46 à 48. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu de docteurs, les écoutant, les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, il fut saisi d'étonnement et sa mère lui dit « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous ? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Nous te cherchions avec angoisse. Donc, ils ont cherché Jésus avec angoisse parce que Jésus, il n'avait pas trouvé. Donc, le danger dans notre marche d'oublier Jésus et l'angoisse risque de nous saisir. Et Jésus va leur dire une parole qui nous concerne tous. Je crois que cette parole est bonne dans ce temps que nous vivons. Il leur dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Donc, pour Jésus, il y avait une priorité. Les affaires de son Père. La question que je pose, est-ce que les affaires de Jésus ne sont-ils pas aussi nos affaires? C'est important de se poser cette question. Nous pouvons nous occuper de beaucoup de choses. N'oublions jamais que la priorité, c'est le règne de Dieu. Et oui, en nous occupant de ces affaires, je suis sûr qu'il va prendre soin de nous. Jésus a dit une parole dans ces temps où il y a tant d'inquiétude. Matthieu 6, 31 à 33, il dit « Ne vous inquiétez donc point, ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui le recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Donc, si je fais de Jésus une priorité, il va me donner le nécessaire. Il m'a donné un peu de sagesse. Il va m'aider dans les difficultés. Il va me donner sa paix, raison pour laquelle je considère, comme ses bien-aimés ont chanté, que Jésus, dans cette fin d'année, peut être une priorité. Amen. Qu'il soit notre essentiel et que son nom soit béni. La deuxième pensée qui me vient sur le cœur, c'est que Dieu a des projets d'avenir pour chacun d'entre nous. Eh oui. Quand Dieu nous a créés, nous ne sommes pas créés au hasard. Nous ne sommes pas le produit du hasard. Même si vous êtes un inconnu, j'aimerais vous dire que Dieu vous connaît. C'est pourquoi c'est important de mettre sa confiance en Dieu. Je me souviens encore d'un incident pendant un temps d'évangélisation. Nous étions dans une ville et puis une dame s'est approchée de nous et dit « Monsieur, monsieur, jeune homme, donne-moi ta main droite, je vais lire ton avenir. » Alors ça m'a interpellé, j'ai dit « Madame, moi je vais plutôt lire ton avenir. » Alors elle m'a donné sa main, j'ai pris sa main, j'ai lu, j'ai regardé dans ses mains, puis j'ai regardé, j'ai dit « Madame, tu es ici le chemin de la perdition, mais si vraiment
Tu tournes ton cœur vers le Seigneur Jésus, tu vas trouver le salut et la bénédiction viendra dans ta vie. Cette dame, elle m'a arraché sa main, elle a couru. C'était une dame, une voyageuse, bien sûr. Elle a couru, elle est partie. Et dans sa famille, il y avait bien sûr des prédicateurs, donc elle avait déjà entendu l'évangile. Elle lisait les signes de la main. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vont consulter les cartomanciennes, les disaient de bonne aventure, qui regardent l'astrologie, au lieu de regarder la parole de Dieu. Je suis convaincu que c'est important que nous nous rappelions qu'en regardant dans la parole de Dieu, nous allons découvrir que Dieu a un plan formidable de bénédiction pour chacun d'entre nous. Savez-vous que Dieu avait un plan, même dans les temps difficiles, nous sommes dans les temps de la fin, dans le temps de Noé. La Bible parle du temps de Noé. C'est des temps difficiles. Dieu a parlé à Noé. Il lui a dit de construire une arche et de mettre une porte. Et Noé a entendu. Il n'avait pas la capacité, Noé. Mais Dieu lui a donné l'intelligence, lui a donné la force. Noé a convaincu ses trois fils, Sem, Cham et Japhet, de l'aider. Il a construit. Certains commentateurs disent que l'arche s'est construite environ une centaine d'années. Quand l'arche est terminée, Dieu a dit à Noé d'entrer dans l'arche. Et la Bible parle. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 24, j'ai lu ce passage, il est écrit à partir du verset 37, « Ce qui arrivant du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme, car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint, les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, des deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. Des deux femmes qui moudront la meule, l'une sera prise, l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez quel jour votre Seigneur viendra. » Donc, le temps de Noé est comparé au temps de la fin. Mais ce qui est intéressant pour chacun, pour toi comme pour moi, c'est que lorsque Noé a construit l'arche, il a mis une porte. Cette porte devait être franchie par des pécheurs, par des gens. Et la Bible appelle Noé le prédicateur de la justice. Il a invité les gens de son époque à entrer. Sont-ils entrés? Non. Sauf 8. Et la Bible rend témoignage que c'était Noé, sa femme, ses fils et ses belles-filles. 8 personnes ont été sauvées. Mais je crois que dans l'intention de Dieu, c'est le salut de nous tous. Il faut franchir la porte. Et la Bible nous dit, Jésus dit, je suis la porte. Si quelqu'un rentre par moi, il sera sauvé. Ami, tu as besoin de franchir la porte du salut, quel que soit ton péché. Parce que Jésus, il a payé le prix. Il faut que tu croies ce qu'il a accompli pour toi, pour que tu reçoives le pardon de Dieu, pour pénétrer dans le salut. Il est vraiment la porte. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 13, il est question, bien sûr, du temps, et bien sûr, aussi, il est écrit dans l'évangile de Marc 13, 36-37, « Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je l'ai dit à tous, veillez. » Donc, le danger aussi, dans ces temps de la fin, c'est de dormir. Le sommeil va gagner l'humanité. Vous savez, quand on dort, souvent il y a des voleurs qui viennent. Et aujourd'hui, bien sûr, nous avons besoin de nous rappeler que pour veiller, il faut se tenir dans la présence du Seigneur. Il est question aussi du temps de Lot. Lot, une période de dégradation morale. Et nous avons besoin de nous rappeler que Dieu veut nous préserver aussi de ces temps mauvais que nous traversons si nous sommes en communion avec lui. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 17, versets 27 à 29, on nous dit que les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint les emporta et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot,
verset 28, arrivera pareillement. Ils ont mangé, vivé, acheté, vendé, planté, bâtissé. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, il n'y a plus de feu et de soufre tomba du ciel, les fit périr tous. Donc, pour entrer, il faut sortir. Donc, tous ceux qui veulent le salut doivent vous sortir pour entrer. Aujourd'hui, en entrant dans la maison de Dieu, je suis sorti dehors pour rentrer. Eh bien, si nous sortons, parce que Dieu nous tend la main de notre péché, Dieu va nous accueillir, il va nous aider. La Bible parle de Jésus comme étant le bon berger. Il est venu donner, bien sûr, sa vie pour chacun d'entre nous. Et je découvre que David, qui a expérimenté la grâce de Dieu, nous dit, oui, dans la conclusion de ce psaume 23, il dit, « Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je viendrai habiter dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Donc, David avait expérimenté, bien sûr, l'amour de Dieu. Il avait expérimenté prophétiquement cette expérience magnifique. Et nous pouvons aussi, ce matin, vivre la même expérience. Le psaume 40, verset 4 nous dit « Heureux l'homme qui place à l'Éternel sa confiance, qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. » Donc, plaçons notre confiance dans le Seigneur et Dieu dans sa grâce et nous tendra sa bonne main. Une parole pour les ados et les jeunes, et les moins jeunes. Oui. Savez-vous que Dieu veut que nos jeunes, nos ados soient heureux? Je découvre une promesse concernant les parents. Il est dit dans Éphésiens 6, 2, 3, « Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. » Oh, que les ados ce matin, qui sont dans ce culte de louange et d'adoration, se rappellent qu'honorer les parents, c'est une bénédiction pour soi. Honorer, c'est prendre soin. Honorer, c'est respecter. Honorer aussi, c'est considérer. Je suis persuadé que le Dieu de la Bible désire que nos ados et nos jeunes soient heureux et nous avons besoin de prier pour eux, mais qu'eux aussi fassent leur choix. Nous avons besoin de nous rappeler. Dieu a des projets de multiplication. Il est le Dieu qui multiplie. Amen. Mais pour qu'il puisse multiplier, il faut mettre dans ses mains. Je prends l'exemple de la foule qui a mangé. Dans Matthieu, dans Marc chapitre 6, verset 46, il est écrit, ils s'assirent par rangées des 100 et des 50, et puis les 5 pains, les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel, il rendit grâce, puis les rompit les pains, les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuassent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et firent rassasier. Il en emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé le pain étaient 5000 hommes. Extraordinaire miracle de Dieu. Donc, en mettant dans les mains de Dieu le peu dont nous avons, Dieu est capable de multiplier. Crois à la puissance de Dieu. Je rappelle qu'Abraham a cru à la puissance de Dieu. Dans ces temps que nous vivons, puisque Dieu ne change pas, le Dieu d'Abraham, la Bible nous dit, il est notre Dieu en Jésus-Christ. Nous pouvons vraiment lui faire confiance, croire en sa puissance. Dans Romains 4, versets 17 à 19, nous dit, « Selon ce qui est écrit, j'étais établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père, devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts, il appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre espérance, il crut en sorte qu'il devint père des grands nombres des nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point son corps, que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Donc, Abraham, fatigué par l'âge, a fait confiance à Dieu, il a cru la puissance de Dieu et Dieu a fait le miracle. Nous avons besoin de ne pas considérer notre fragilité physique parce que Dieu n'est jamais fatigué. Quand je suis fatigué, lui n'est jamais fatigué.
Je me souviens, dans une visite que j'ai faite dernièrement, j'étais fatigué. J'ai dit, ma sœur aussi était malade, on a prié, et Dieu, dans sa grâce, l'a visitée. Bien sûr, moi, j'étais fatigué. Mais Dieu, dans sa grâce, a visité la sœur pour la restaurer. Dieu a le pouvoir de multiplier, et je suis convaincu que c'est une promesse qui est devant nous pour chacun d'entre nous. Il est le Dieu Tout-Puissant. Eh oui. L'espérance, nous avons besoin de nous rappeler qu'il y a l'espérance, qu'il est là, que jamais il ne nous abandonne. Nous avons besoin de nous rappeler que le Dieu de la Bible a des projets formidables, des projets d'espérance pour son retour. Savez-vous que Jésus revient bientôt? Il revient bientôt chercher qui? Chercher ceux qui l'attendent. Et nous avons besoin de nous rappeler que dans son retour, ces événements qui se précipitent, où beaucoup des nations sont inquiets, où les gens sont inquiets, la Bible nous dit, redressez la tête, votre délivrance est proche. Nous avons besoin de nous rappeler que Dieu, dans sa grâce, a préparé une place. Et nous avons besoin de nous le rappeler ce matin, dans ce culte, que Jésus est allé nous préparer une place. Dans Jean 14, je vais vous préparer une place, je reviendrai. Mon frère, ma sœur, si Jésus revient, la question que je vais te poser, je vais me la poser. Est-ce que je suis prêt? Amen. Est-ce que tu es prêt? J'aimerais ce matin, nous puissions ensemble réfléchir sur ces moments que nous venons de passer dans la présence de Dieu, au travers de ses chants, de ses paroles, le repasser dans notre cœur, peut-être rectifier quelque chose, peut-être vous présenter devant Dieu et croire. Peut-être vous traversez un moment de difficulté. Nous allons vraiment avoir un moment de prière. Voilà. Remerciez Dieu pour ce qu'il est, pour la paix qu'il met à notre disposition. Remerciez Dieu pour l'avenir qu'il a programmé pour chacun d'entre nous. Et croire aussi que notre espérance n'est pas ternie parce qu'il revient bientôt nous chercher. Si nous puissions vraiment, dans notre cœur, prendre conscience qu'au-delà de son retour, il désire aussi nous restaurer, nous guérir. Peut-être ce matin, y a-t-il des frères et des sœurs qui traversent ces moments difficiles? Nous aimerions, là où vous êtes, croire. Croire non seulement qu'il est capable de le faire, mais croire aussi qu'il veut vraiment vous aider. J'aimerais que dans votre cœur, vous puissiez formuler la prière en demandant à Dieu son intervention, en demandant qu'il vous aide pour que l'année qui va commencer, vous puissiez vous rappeler qu'il est capable, dans son immense bonté, communiquer la paix à votre vie, à votre entourage, apporter le secours nécessaire et demander peut-être aussi la guérison là où vous souffrez, parce que le Dieu Tout-Puissant est le Dieu capable d'intervenir. Il intervient par le ministère du Saint-Esprit. Je vous demanderai de toucher la partie où vous souffrez, si vous êtes malade, quelque part dans votre corps, et de croire que dans cette prière, Dieu est capable de vous guérir. J'ai prié avec vous ce matin. Seigneur, je veux vraiment te bénir, te rendre grâce pour ce culte de louange, d'adoration, de visiter les bien-aimés qui sont dans ce culte de louange, d'adoration, à distance même. Tu es capable non seulement de les guérir, de les restaurer, de les encourager. Seigneur, je te le demande vraiment dans le nom de Jésus, parce que tu as tout accompli à la croix du calvaire pour que notre vie soit une bénédiction. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen.
Merci au Seigneur pour sa parole qui nous fait toujours du bien, qui répond même à nos questions que nous pouvons nous poser dans notre cœur. Ces instants vont se terminer, mais je suis persuadé que Dieu va continuer son œuvre dans nos cœurs et dans nos vies pour cette fin d'année et pour l'année qui vient. Croyons-le et faisons-lui confiance le long du chemin, même si l'orage gronde et que la tempête est là. Remettons toutes choses entre ses mains, et c'est ce que nous rappelle ce beau cantique. Toute assurance, je m'appuie sur.